Ben, ce soir, je suis en compagnie de deux agents. C'est une opération spéciale à la veille du temps des fêtes où on va être très actif et très présent en ce qui concerne la problématique de l'alcool au volant. Mais dans un message de sensibilisation et de prévention, on est à la distribution de différents dépliants de sensibilisation comme ceux-là ou comme ceux-là. On rencontre la clientèle des restos, des bars ici sur le boulevard des Forges et on les informe justement de notre présence. On passe notre message de prévention, de sensibilisation, mais en même temps, on passe un message à l'effet qu'on sera très actif en ce qui concerne l'application des lois sur la conduite avec une capacité affaiblie. Alors ce soir, on est installé actuellement sur la rue Saint-Georges. C'est un peu en continuité avec l'opération qu'on a débutée aujourd'hui, c'est-à-dire la sensibilisation et le volet prévention par la distribution de certains dépliants. Un préparage pour l'alcool ce soir, à vous conseiller. À quel endroit, à quel restaurant, vers quelle heure? Bonne question. À l'heure du souper? OK. On est allé vous voir tout à l'heure avec les dépliants. Bon, c'est prudent, dans le temps des fêtes, on va régulièrement comme ça faire des barrages pour l'alcool. Bon, bonne soirée. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle l'état des conducteurs, des conductrices à la sortie du centre-ville. C'est une opération qui a lieu et qui va avoir lieu encore jusqu'au 22 décembre. On aura des barrages routiers, que ce soit le soir, sur les équipes de travail ou de nuit, et même à l'occasion, sur les équipes de jour. Alors, on vise encore une fois à sécuriser notre réseau routier ici, dans notre ville, et contrer les effets de l'alcool au volant. Là, on se rend compte que ça fait une vingtaine de minutes qu'on est ici. Aucune arrestation, aucune vérification. On peut croire que les gens comprennent peut-être un peu le message? Ou... En tout cas, ce qu'on constate à cette heure-ci, là, c'est que le message est passé. On n'a pas aucune vérification avec l'ADA qui a été faite. Aucune arrestation non plus. Les gens qu'on contrôle sont pour la plupart des gens qui reviennent du centre-ville et qui ont consommé un repas. Parfois, ils ont quelques consommations, mais rien qui ne semble affecter ou du moins laisser entrevoir des symptômes. Pour l'instant, c'est ce qu'on constate.